Hoy en TV Agro conoceremos a una de las razas más importantes del territorio francés, la Aurac. Para ello, nos hemos desplazado hasta Lozère, uno de los departamentos menos poblados de este país. En esta casa, pasamos la noche y desde allí salimos para dirigirnos hasta La Panouse, en la región de Languedoc-Rosselló, al norte del departamento de Lozère. Este pequeño poblado de casas antiguas, construidas en piedra y de una población que no supera los más de 100 habitantes, fue testigo en el siglo pasado de cómo muchas de sus parcelas se fueron reforestando naturalmente hasta convertirse en bosques. Gran parte de sus jóvenes agricultores fueron reclutados en la Primera Guerra Mundial y murieron, diezmando considerablemente a la población y precipitando al abandono de estas tierras. Julien Tufferi es un criador de la raza Aubrac que se destaca en todo el departamento de Lozère por proporcionar el máximo valor agregado a sus animales. Con él hablaremos en este programa. Conoceremos las características físicas y funcionales de esa raza y el trabajo desempeñado a lo largo de estos años en su finca. La raza bovina Aubrac, una raza rústica y robusta. Donc je m'appelle Julien Tufferi. Nous sommes ici en Lozère, au sud du Massif Central, au sud de la France, dans un département très montagneux. Nous sommes ici à 1400 mètres d'altitude, dans une région qui est plutôt aride. Nous exploitons donc une ferme, nous sommes trois pour travailler sur l'exploitation. Donc je suis associé dans une société avec ma maman et nous avons également un salarié pour nous aider dans les travaux. Nous exploitons une surface de 300 hectares avec un troupeau de 110 à 120 vaches Aubrac, 100% Aubrac. Avec ce troupeau, nous produisons essentiellement, alors notre première production c'est des animaux de boucherie que nous vendons pour le label rouge bœuf famille Aubrac. Ça c'est les vaches de réforme qui sont âgées de 3 à 10 ans. Nous vendons également des génisses sous IGP, identification géographique protégée, fleurs d'Aubrac, qui sont des génisses croisées entre une vache Aubrac et un taureau charolais. Nous vendons également tous les mâles, une grande partie de nos mâles en broutard. Donc nous avons un marché historique depuis près de 50 ans, la France a un marché historique depuis près de 50 ans pour les mâles avec l'Italie. Les choses évoluent peu à peu et aujourd'hui nous vendons de plus en plus dans les pays du Maghreb et dans d'autres pays. Nous avons des ouvertures de marché notamment sur l'Algérie. Nous avons aussi des ouvertures de marché sur la Turquie mais c'est plus compliqué. Voilà. Et puis nous vendons également des reproducteurs pour les autres agriculteurs qui viennent se servir chez nous. Voilà. Moi je suis agriculteur depuis 2005, donc ça fait maintenant 14 ans. Je me suis installé à la suite de mon papa qui était agriculteur avant moi, et puis de mon grand-père qui était agriculteur avant moi. Nous sommes sur la même exploitation depuis 1936. Alors nous avons choisi, j'ai choisi le métier d'agriculteur parce que j'y suis tombé dedans quand j'étais petit et ça semblait une évidence. Nous avons choisi la race Aubrac, alors c'est pas moi qui ai fait le choix de la race Aubrac, hein. C'est mon père qui a fait ce choix-là. Dans les années 1965-70, la race Aubrac était complètement au fond du trou, voué à l'échec, parce que sa principale activité, notre race, c'était de tirer des charrettes, de tirer des charges. Quand le tracteur est arrivé sur les exploitations en France, dans les années après la guerre, la race Aubrac n'a plus d'objet. Son travail principal, c'était pour les mâles, donc de tirer des charges, des charrettes, etc., attelées par un joug aux cornes. Et puis pour les femelles, le travail principal de cette race, c'était, ou la production principale, c'était des fromages qu'on produisait dans les burons et le veau qu'on élevait avec ce qui restait de lait qui n'avait pas servi pour faire du fromage. Dans les années 60-70, il y a eu une véritable révolution de l'agriculture française et il y a des races spécialisées en lait et en viande qui ont été créées ou qui ont été améliorées, comme la race charolaise, la race limousine ou des races laitières comme la Primochstein que vous connaissez certainement. Et donc la race Aubrac n'a plus d'objet et donc elle est tombée en désuétude et elle a complètement périclité. Dans les années 80,
il y a eu un regain d'engouement pour cette race. Et donc la race s'est développée. Il faut bien comprendre que les effectifs de la race ont été multipliés par 5 en quelques années. Et donc aujourd'hui, la race Aubrac est la quatrième race au niveau français, est une race qui est présente dans tous les départements, pratiquement au niveau de la France, pour ses qualités d'élevage, sa facilité d'élevage. La vaca Aubrac nació en la meseta del Aubrac y supo adaptarse perfectamente a las condiciones climáticas extremas del invierno. Intervalos de temperatura, viento, frío o calor. Una raza que hoy en día va en aumento y se desarrolla muy bien a nivel de Francia y con muy buenas proyecciones a nivel internacional. La principale qualité de nos vaches Aubrac, c'est que ce sont des vaches de taille modérée, de format moyen. Les vaches pèsent environ 600 kg, 700 kg de poids vif. Donc ce sont des vaches avec un gabarit modéré et surtout des vaches faciles à vivre, avec des vélages qui pour 95% des fois se passent sans l'aide de l'homme. Un mode d'élevage qui est basé sur l'herbe. Nous, nos vaches, leur alimentation, c'est 95% de ce qu'on produit sur la ferme. L'été, donc nous sommes ici en montagne, dans un secteur d'altitude, donc la période d'estive. La période d'estive, ce sont des catholiques les gens du sud, alors on peut bien leur dire. C'est de la Saint-Urbain à la Saint-Géraud, du 25 mai au 13 octobre. Et donc pendant ces moments-là, les vaches sont dehors. Nous, grosso modo, on sort les vaches aux alentours du 15 mai et on les rentre aux alentours du 15 novembre. Donc pendant le moment du 15 mai au 15 novembre, l'alimentation des vaches, c'est exclusivement à 100% l'herbe qu'elles trouvent sous leurs pieds. Voilà. Sauf cas de sécheresse extrême pour lesquels nous sommes obligés d'affourager, mais on essaye le minimum d'affourager les animaux l'été. Ensuite l'hiver, du 15 novembre donc au 15 mai, les vaches chez nous, elles reçoivent du foin qu'on récolte pendant l'été, de l'ensilage d'herbe que nous récoltons pendant l'été, un tout petit peu de céréales quand elles ont fait le veau pour les aider un petit peu à nourrir leur veau, un kilo environ par jour de céréales que nous produisons sur l'exploitation, et puis un complément azoté à raison de 500 grammes par vache et par jour de colza que nous achetons. Ça c'est pour les vaches allaitantes. Pour les veaux, ils sont nourris au lait de la mère jusqu'à environ 7 mois. Donc les naissances ont lieu durant l'hiver. Le gros c'est décembre, janvier, février. Donc les veaux naissent à ce moment-là. Pendant 7-8 mois, donc jusqu'au mois de septembre environ, ils sont nourris par le lait de leur mère. Nous leur mettons également à disposition de l'alimentation du concentré, de l'aliment du commerce, composé de céréales, de maïs, de soja et de colza. Nous vendons les veaux mâles à environ, nous les vendons à l'âge de 10-11 mois, lorsque le poids vif atteint aux alentours de 400 kg, de 380 à 450 kg de poids vif. C'est là où on a le meilleur marché pour nos clients, qu'ils soient italiens, qu'ils soient grecs ou qu'ils soient algériens. Voilà, et donc ensuite, les rations d'engraissement, puisque nous engraissons environ 50 femelles par an, donc pour les filières de qualité, bœuf famille Aubrac et label rouge fleur d'Aubrac. Donc le principe de nos labels pour la race Aubrac sont qu'ils doivent être basés au maximum sur l'alimentation produite sur l'exploitation. Malgré le fait que nous ayons des exploitations en montagne, nous essayons un maximum d'être autonomes. Donc c'est le cas pour le fourrage, mais c'est aussi le cas ici pour les céréales. Nous achetons, donc les vaches, elles sont nourries à l'engraissement avec des fourrages produits sur l'exploitation, des céréales produites sur l'exploitation, du colza, puisque nous avons dans nos labels l'interdiction d'utiliser des aliments issus d'OGM et nous avons interdiction d'utiliser des aliments issus de l'huile de palme. Donc on utilise du colza et pour enrichir en oméga 3 et faire une finition parfaite sur nos animaux, nous utilisons également du tourteau de lin. Aujourd'hui, la qualité principale de notre vache, c'est qu'elle est adaptée à son territoire et à son terroir, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays très difficile, très aride, où en moyenne, dans notre département, dans notre secteur, il faut 2 hectares pour nourrir une seule vache. Donc c'est un endroit très difficile. Et l'Aubrac a su s'adapter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parfois elle doit marcher beaucoup pour trouver de l'eau, pour aller boire. Cela veut dire que parfois elle doit marcher beaucoup pour s'alimenter.
Et cela veut également dire que l'alimentation, l'herbe qui pousse naturellement, n'a pas une valeur alimentaire très forte. Et donc cette vache-là, du fait de sa petite taille, du fait de sa robustesse, elle permet de valoriser ces territoires difficiles. Et en plus, ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'elle est adaptée à son marché. Et aujourd'hui, on a un marché important du fait de cette rusticité. Si nous vendons de nos aubraques en Afrique du Nord, c'est essentiellement dû au fait qu'elle s'adapte à tous les milieux rapidement, facilement, et que le taux de perte, le taux de mortalité est très faible. Ça, c'est un des avantages de notre race. Nous sommes aux environs de... Nous, sur notre ferme, nous sommes à 3% de perte, 4% de perte sur le total des naissances. Et ça, il n'y a que des races rustiques qui arrivent à ce niveau-là. Los ganaderos destacan que estas vacas son alimentadas casi que exclusivamente a punta de hierbas y forrajes, producidos en la misma finca, y que los terneros son criados al lado de su madre hasta alcanzar entre los 6 o los 9 meses, una buena edad para ser destetados. Les qualités maternelles, ce sont les premières qualités de nos animaux. Une vache au braque, ce qu'elle doit faire en premier lieu, c'est un veau toute seule. C'est dans 95% des cas, on ne l'aide pas à faire le veau. Ça, c'est primordial. Facilité de naissance. Donc les veaux, ils naissent plutôt très petits à la naissance. Et ensuite, qu'ils s'élèvent seuls. Donc ça passe par la première tétée. Il faut qu'on ait des pies ramassées, des tétines de petite taille, pour que les veaux, dès le début, ils arrivent à s'en sortir seuls sans l'aide de l'homme. Et puis la croissance du veau. Il faut qu'un maximum de croissance du veau se fasse par le lait que sa mère produit. Et je vous rappelle que cette mère, elle est sur une pâture de mauvaise qualité. Donc il faut qu'on arrive, avec une pâture de mauvaise qualité, à avoir une vache qui fasse quand même du lait, qui ne se tarisse pas, pour nourrir son veau un maximum, pour qu'on ait le moins possible à le compléter, puisque vous l'avez compris, les compléments alimentaires nous coûtent de l'argent, particulièrement l'azote, les compléments azotés. D'accord. Donc ici, la difficulté que nous avons, et c'est le cas dans tout le Massif central et toute la région d'élevage, la plus grosse région d'élevage de bovins allaitants en France, nous avons des hivers rigoureux. Ici, l'hiver, là où nous sommes, il neige, et pendant 3-4 mois, nous ne pouvons pas venir ici, il y a parfois un mètre de neige, donc on ne peut pas du tout venir. Donc on est obligé de rentrer tous les animaux, l'hiver à l'intérieur, pour qu'ils passent l'hiver dans de bonnes conditions, et c'est à ce moment-là que nous leur donnons les fourrages que nous avons récoltés durant l'été. Il faut savoir qu'ici, il n'y a qu'une coupe. Nous ne fauchons les parcelles qu'une seule fois. Ça se passe entre la fin juin et le début juillet. Donc le 15 mai, on sort les vaches. Fin juin, début juillet, nous fauchons. Toutes, à une seule fois, nous devons récolter toute l'herbe que nous avons besoin pour les 6 mois de l'hiver. De la neige et l'été, du trop de soleil. Et donc, ce climat nous oblige à avoir des animaux particuliers, particulièrement résistants et particulièrement adaptés. Voilà, donc nos vaches au braque. Donc pour commencer, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont belles comme tout. Et ça, c'est important à dire, parce qu'elles sont maquillées du 1er janvier au 31 décembre. Elles ont leurs yeux très bien maquillés. C'est certainement parmi les races de vaches les plus jolies. Elles sont aussi, donc les caractéristiques de cette race au braque, c'est les sabots noirs, elles ont les sabots, toutes les extrémités, le bout de la queue, le bout des muqueuses, le tour des yeux, le bout des pieds noirs, ça leur permet de bien résister bon, au climat bien évidemment, et puis les sabots noirs c'est des sabots qui sont plus durs et qui permettent de résister facilement à la marche. Donc c'est une vache, je vous l'ai dit, de petite taille, c'est une vache qui fait 1,50 m au garrot, c'est ça Patrice à peu près ? Maximum, ouais, je sais pas moi les tailles, ouais. C'est une vache qui fait entre 1,40 m et 1,50 m au garrot. Une vache qui fait entre 5 et 600 kg. Donc une vache qui est pas forcément viandée, mais surtout qui a de la caisse. Ce qui est important, c'est qu'elle ait de la caisse. Ce qu'on appelle avoir de la caisse, c'est du coffre. Ça veut dire qu'entre le garrot et le pignon, il faut qu'il y ait un maximum de volume pour que les vaches arrivent à ingérer un maximum de matière sèche de manière à valoriser des fourrages grossiers. Parce que vous l'avez bien compris, il y a c'est 80, presque 18% de l'alimentation qui est assurée par de l'herbe. Donc il faut qu'on ait des vaches qui aient une capacité d'injection, gestion assez forte. Les fondamentaux sont également un bon bassin aussi bien à l'extérieur, donc un bassin plat, ouvert sur les bassins des animaux, mais aussi ouvert de l'intérieur,
Et nous avons la chance, dans le système de sélection français, de mesurer pour les taureaux que nous achetons en station, et nous en achetons, l'intérieur des bassins de nos taureaux, ce qui est un critère qui est très irritable. Et donc, en achetant des taureaux, en ayant des qualités de bassins à l'intérieur, des bassins très ouverts, nous assurons la suite de notre troupeau. Donc le poids de naissance des veaux, aujourd'hui, est à moins de 40 kg. Mâles et femelles confondus, donc les veaux, il faut qu'ils pèsent 40 kg par là pour qu'ils soient dans l'optimum. Vous savez qu'en France, on a un système de sélection très précis, avec des pesées sur les veaux. Donc on a un système qui s'appelle le contrôle de croissance, qui est un système qui nous permet de calculer tout un tas d'index et de qualité sur les animaux. Donc nous ici, et c'est ce que font la plupart des éleveurs sélectionneurs français, nous pesons les veaux à la naissance, nous les pesons à l'âge de 4 mois, un poids 120 jours qu'on appelle, qui nous permet de calculer les attitudes à l'allaitement de nos vaches, et nous les pesons à un poids de 210 jours, donc à 7 mois, qui correspond à peu près à l'âge du sevrage. La moyenne pour notre race, donc je vous l'ai dit, c'est aux alentours de 40 kg pour un veau. Nous on est à moins sur notre exploitation. Le poids à 210 jours, donc à 7 mois, l'objectif c'est d'arriver, de s'approcher des 300 kg. Aujourd'hui la moyenne de la race est à 290 kg environ, 280-290 kg. Donc une fois adulte, l'objectif pour nos vaches, c'est d'être dans un poids carcasse entre 400 et 450 kg pour des vaches jeunes. On y est, hein, dans le label rouge Bœuf Famille Aubrac, on est aux alentours des 400 kg. Il faut essayer d'avoir des animaux de taille modérée, et pour ceci, nous essayons de sélectionner pratiquement, sauf cas exceptionnel, animaux de concours, etc., que des animaux qui font moins de 450 kg de carcasse, parce que ce sont des animaux qui sont plus faciles à engraisser pour nous, qui correspondent mieux à notre marché, puisqu'aujourd'hui, notre marché est bien évidemment sur des bouchers indépendants, mais aussi sur la grande et moyenne surface, et il y a une difficulté pour écouler les gros morceaux, les grosses pièces de bœuf, et donc les carcasses de moins de 450 kg correspondent actuellement exactement au marché français. Donc, je m'appelle Patrice Fabre, je suis technicien animateur du programme Aubrac à Auriva. Auriva, c'est l'unité de sélection qui travaille tout le sud de la France, donc dans plusieurs races, mais qui a en charge le programme Aubrac. Donc en Aubrac, c'est un peu particulier, c'est une race rustique encore à effectif un peu moins important que les trois principales races au niveau allaitant en France. Et donc on n'a pas de testage sur descendance, je dirais. On travaille plus en amont. Donc on sélectionne, on repère les bonnes vaches qui sont inscrites au Airbook avec un bon pointage, des bons index, un bon intervalle vélage-vélage. Donc on sélectionne les mâles de ces veaux-là qu'on rentre à la station nationale de qualification des mâles qui se situe à La Borie, à Saint-Chély-d'Aubrac. Donc on rentre 15 à 20 veaux par an dans le protocole Riva pour en fait procréer, enfin sélectionner dans ces mâles-là pour faire des taureaux d'insémination. Le gros de mon travail au niveau de l'unité de sélection, donc au niveau de Riva, c'est tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est repérage de mâles sur les vaches, le haut du panier. Ce matin, Julien parlait des mères à taureaux, donc en général, c'est les fils des mères à taureaux qu'on rentre en station. Donc c'est tout le repérage de ces veaux-là pour rentrer en station pour faire des futurs mâles. En 2020, la race va arriver à 250 000 vaches au niveau national. Sur 250 000 vaches, il y a 25 000 vaches qui sont au Airbook, donc inscrites, reconnues sur leur pédigré, leur généalogie. Et sur 25 000, je dirais, il y a à peu près 18 000, 19 000 vaches qui sont en contrôle de performance, qu'on appelle VA4, donc qui a à la fois les index facilité naissance, tout ce qui est descriptif morphologique des animaux, plus un poids 120 jours, donc production laitière de la mère, plus un poids 210 jours. Una raza de grandes cualidades maternales, aptitudes lecheras confirmadas, fuerza para el andar, excelente fecundidad, facilidades de parto y lactancia, buena longevidad y comportamiento tranquilo.
una raza eficaz en la economía y en la producción de carne. Características físicas de la raza. Son de talla media. Su piel es ligeramente pigmentada. Su pelo es de longitud y textura mediana. Su hocico es de color negro. Y una coloración distinta al negro indica falta de pureza en la raza. Su color va del amarillo claro al castaño y es más oscura en las paletillas y la grupa, siendo este un rasgo que sobresale más en los machos que en las hembras. La punta de la cola, el área que circunda los ojos, la crin y el interior de las orejas también son de color oscuro. Su cabeza es corta, pero ancha y de frente plana. Son de pecho profundo, cadera prominentes, anchas y bien desarrolladas. Sus cuartos traseros son gruesos y musculosos. Et on a aussi une partie de repérage parce que en gros on rentre deux voire trois jeunes taureaux au catalogue chaque année au Riva. Et on rentre aussi, on essaye de rentrer, ce qui est plus compliqué, vu que la race est quand même à petit effectif et moins de vaches en contrôle. On essaye de rentrer un taureau qu'on appelle un taureau adulte. Donc c'est un taureau qui est en fait en propriété d'un éleveur, qui a été en monte naturelle dans un ou plusieurs élevages et qui en fait obtient un index sevrage. Donc l'index sevrage, c'est l'index combiné entre l'index acidité naissance, l'index croissance de ses produits, l'index développement musculaire, l'index développement squelettique, l'index aptitude fonctionnelle, donc les aplombs, les profondeurs et tout ça. Donc à l'issue de ça, s'ils ont une sèvre dont l'index synthétique est assez élevé, on propose à l'éleveur éventuellement de rentrer le taureau en centre pour faire de la semence qu'on puisse diffuser par insémination bovine. Donc si on regarde un petit peu plus loin et l'avenir de notre race au Brac dans les quelques prochaines années, il est plutôt radieux puisque le développement de notre race à l'intérieur de notre pays est plutôt tout à fait bon. On est dans les seules races qui augmentent leurs effectifs. C'est l'avenir est radieux. Si on regarde un peu plus loin, aujourd'hui, l'agriculture française, pour ce qui est des produits phytosanitaires utilisés, de l'alimentation utilisée, du système d'élevage, du bien-être animal, du système d'abattage, de la propreté des animaux à l'abattage, du système de transport, elle est l'agriculture la plus scrupuleuse qui existe. Et quand on est soumis aux échanges internationaux, on est face à des pays qui ne respectent pas du tout les mêmes normes. Donc nous, ce que nous disons, c'est si nous devons absolument être soumis aux règles internationales et ne plus avoir de droits de douane, notamment sur un certain nombre de denrées agricoles, pas de problème, mais il faut qu'on ait les mêmes règles de production qu'eux. On ne peut pas, la difficulté de l'agriculture française, c'est que parfois, on a l'impression qu'on court tous un marathon, mais que nous, les paysans français, nous avons un boulet au pied. Et ce boulet, il est réglementaire, il est environnemental, il est sur le bien-être animal. Je crois que l'agriculture française, elle a su montrer son excellence. Eh bien, il faut que tout le monde se mette au même niveau d'exigence que l'agriculture française, tout du moins s'ils veulent rentrer sur notre marché. La deuxième difficulté que nous pouvons avoir, c'est aujourd'hui les mouvements anti-viande ou les mouvements végans sur notre type d'agriculture. Cet amalgame qui peut être fait. Ici, là où nous habitons, et là où habitent la plupart des races à l'état de française, là où elles sont produites, passer par l'animal, avoir des animaux, c'est la seule solution pour mettre en valeur le territoire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui arrivent à se passer de l'alimentation de viande. Bon, ils n'ont pas tout compris. Parce qu'aujourd'hui, dans des territoires comme celui-ci, nous n'avons qu'une solution. C'est pour transformer ce qui pousse naturellement chez nous, c'est-à-dire de l'herbe, de mauvaise qualité parfois, en alimentation humaine, nous sommes obligés de passer par des animaux, et principalement des ruminants. Et quand on sait le bilan que nous pouvons avoir sur l'environnement, quand on sait le bien que ça peut procurer de manger des animaux qui ont été produits à l'herbe, donc il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Et je crois qu'il faudra, dans les années à venir, que cette production d'animaux nourrie à 95% d'herbe soit mieux mise en valeur. Et on ne peut pas être sur le même marché que n'importe quel animal produit dans un feedlot avec de l'alimentation qui vient de je ne sais où, qui n'a pas été tracée, etc. On n'est pas sur le même marché. Nous ici,
Nous sommes ici, les paysans français, et particulièrement ceux de l'Aubrac, ce que la Rolex est à la montre ou la Ferrari à la voiture. Le haut du panier. Voilà. On est un peu prétentieux. Se trata de una raza interesante para todo ganadero que busque un animal muy rústico, es decir, muy resistente, productivo, ideal para las zonas de montaña y que desee convertir las desventajas del suelo de su finca en un activo.